Bonjour tout le monde, ici Darak. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode de numéro 21 de BGM avec les Blackhawks de Chicago. On est à 45 matchs sur 82, donc un petit peu plus, 3 matchs de plus, 4, 5, 3, 4, 4 matchs de plus que la moitié. Donc, on est à la moitié, on va se le dire. On est premier dans la division et on a une coupe de commentaires à aller voir. Euh, pour nos vidéos numéro 19 et 20 bon 19 en partant on va y aller avec Dejo 68 on va aller voir à Phoenix il nous dit que Dauphin il est à Phoenix donc ça va être une 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 une, une vidéo quand même assez longue parce qu'on a quand même un gros des commentaires à aller voir des échanges peut-être et on va simuler jusqu'à la fin donc voilà notre équipe John Carlson c'est vraiment John Carlson Dubois qui on est allé chercher le risque d'être excellent donc, je pense qu'on est vraiment une, une équipe bonne en ce moment et bonne pour le futur aussi, donc ça reste à voir, donc on va aller voir euh, à Phoenix. Euh, Phoenix, je pense que je l'ai passé par-dessus. Non, c'est plus loin, il y a Phoenix. Parce que je suis aveugle? Ah, <laughs> J'ai fait le tour au complet pour aller chercher Phoenix. Bon, euh, c'est qui Dauphin? Dauphin, il est ici. Laurent Dauphin. Je pense que c'est ça, Laurent. Oh, ok. C'est quand même assez intéressant parce que centre, élite. Mais des centres, honnêtement, on en a beaucoup. Euh, 82 élite. Bon patineur. Euh, bon joueur offensif. Un arrestant à son contrat. Euh, Est-ce que sa valeur d'échange est comme ça? Mais pour vrai, là, je pense qu'on peut quand même essayer de faire un chemin dans les séries. Parce que j'ai pas grand-chose à donner. Donc, je vais laisser Dauphin comme ça. Et à la, au draft, je vais revenir. De Joe euh, fait juste me rappeler au draft d'aller revoir Dauphin. Comme ça, je vais pouvoir aller voir sa valeur si elle a monté ou descendu. Et dépendamment de nos séries, si on a vraiment été poche dans les séries, on va pouvoir aller le voir dauphin. Qu'est-ce qu'il a fait? Euh, Qu'est-ce qu'on peut donner pour aller le chercher. Donc dauphin, c'est fait. Les autres commentaires. OK. Michael Petit qui me parle de mon deuxième goleur. Honnêtement, je pense que j'avais oublié d'en signer un justement. Donc on va aller voir c'est qui notre deuxième en ce moment. Mais les. Euh, mais, meilleur, mais, pff, les lignes. Mais euh. Ouais, ouais, J'ai de la misère à parler. Les mots sont durs, les mots sont durs. Gardien de but. Ah oui, c'est Grow c'est vrai. Grow Je pense que la job. C'est vrai, j'avais signé Grow Bon, on continue. On va voir parce que j'avais parlé quand même beaucoup. Le Hitzberg Non. Ok, non, c'est ça qui ça correct. Alexandre Carrier, défenseur. Non, ah, j'ai pas vraiment besoin d'autres défenseurs. On va aller voir quand même avec les prédateurs de Nashville. On va quand même aller voir. Prédateur. C'est un défenseur. On va aller chercher le défenseur. On va aller voir pour... C'est quoi son nom? Alexandre Carrier. Bon, premièrement, à date, je le vois. Alexandre Carrier, il est juste ici. 64 overall, défenseur offensif. Ah, je suis même pas sûr qu'il va faire l'équipe, mais honnêtement, gars yeah. juste pour te faire plaisir, on va aller chercher. On peut même pff, donner quoi On peut donner un 7ème round, il accepterait-tu Refuser. 7 et 6ème, c'est vraiment des choix là, qui vont donner environ à Alex Carrier. Donc, euh, refuser. Ben là, il nous troll-tune. ce qu'il nous troll vraiment. Là? Cinquième. Cinquième avec septième. Ah, c'est con là, je passerai pas quatre heures là-dessus, là, voyons non là. Avec un sixième, puis là, s'il accepte pas, ben allez, on va laisser faire pour Carrier. Là. Bon, voilà. Carrier, on est allé chercher. Peut-être profondeur. On va voir, on va voir. Parfait, c'est tout ce que c'était pour l'épisode 19, l'épisode 20 maintenant. Adam Hearney et Dimitri timashov mixed, j que j'aille voir ces joueurs-là. Malheureusement, je sais vraiment pas sont dans quelle équipe. Je pense qu'Adam il est avec Tampa Bay. Est-ce que je me trompe? Euh... Adam attaque attaquant top 9, 84 overall, 23 ans. Ok, on va aller voir ce qu'on peut donner pour lui là. Euh, à l'attaque, surtout, c'est vraiment à l'attaque. On a nos trio, ça ressemble à ça: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, ils joueraient. Tiens, qu'on a déjà Cornell qui ressemble vraiment à Adam Hearney. Cor... On a Kruger qui joue dans AHL. Abelshuser Habs... qui ressemble à Adam Hurney. Donc vraiment là, j'ai pas vraiment de... Archman, comme m'a dit de le monter aussi. À la place de kill mais regardez, kill 83 elle amène de la profondeur, à un, à un vétéran. Je pense que je vais le garder là. Shin Karuk. Fait honnêtement, on est quand même gros des. de la profondeur. Mais ce que je peux faire. Parce que Dano, est-ce qu'il fait la job? Bon défensivement, mais est-ce que Adam Ernie... Parce que regardez, Dano, Adam Ernie, ça ressemble à quoi? Défensivement non il, a, il est bon physiquement Mais défensivement Il y en a rien Donc non On va laisser faire Pour Hadam Ernie Mort Hartman Et Descent Killorn Donc justement ça Je suis pas sûr Et pour finir Chermont euh, C'est vrai qu'au draft il Va falloir aller chercher Un autre, un autre goaler Mais pour l'instant On avait vu un joueur Un joueur intéressant Et c'est Oudler Et on m'a dit On m'a fortement Marcher des patineurs fortement. Ah, oh, il est plus là. Il était où de' hein déjà? Où était Hudler Je ne m'en souviens plus. Ils, euh, ils veulent peut-être plus le donner, là. Mais ce que je voudrais, c'est peut-être aller chercher un autre... un meilleur joueur de troisième trio. Parce qu'on a beaucoup de, de choses à donner. Minnesota. Duncan Keith, Canadien. Brisbane, New Jersey. Bon, ben, je pense que Houdler a été ôté euh, du bloc, du marché. Ottawa. Burroughs, Philadelphie. Pittsburgh. Ah, oh, Hudler, voilà, voilà! 87 overall. Mais justement me dit qu'on n'a pas vraiment de chance d'aller en finale. OK. Udler, ah, J'ai tellement le goût en plus! Qu'est-ce qu'il faudrait donner? Parce que regardez, pour Udler, on prend qu'est-ce qu'ils veulent. Choix repêchage. Ils veulent notre deux, nos deux trois. On a notre premier, mais on touche pas à notre premier, ça c'est sûr. Ils veulent ce gardien là VooCount partant occasionnel Honnêtement, je pense qu'on peut aller chercher un gardien meilleur que ça Donc, admettons on pourrait donner VooCount Qu'on n'utilisera vraiment pas Comme attaquant On pourrait donner un 7ème On pourrait même donner Kruger qui nous joue même pas Et un 7ème comme german Qu'on n'a pas vraiment besoin Ou Minil Je pense que Jermyn ferait plus la job Puis là, déjà là, je pense que ça le ferait Choix repêchage peut même peut-être tenter d'aller chercher un troisième. Et ça nous prend un Est-ce qu'il y a un goleux? Parce que si il y a un prospect, ça pourrait faire la job, là. Non, vous voyez, il a pas vraiment le partant. Mais partant, là, ça peut être pas pire, le Webster, là. Ça peut être pas pire. Mais non, ça marchera pas, il va être refusé. Gable. Griservis, Gable, je vais aller chercher un goalie qui n'a pas vraiment de temps Donc ça serait ça, ça serait Woukan un goalie qu'on va aller chercher meilleur Kruger qui ne joue pas, qui ne joue pas et qui ne jouera plus Et German qui euh, ne jouera probablement jamais avec notre équipe contre Jiri ou de Donc Je pense que je vais l'essayer C'est refusé mais ceci dit Donc si on est proche d'un entente, là, on est vraiment proche d'un entente choix repêchage 6 7 et 4. Refusé. Ok, je donne un 3 et c'est tout ce que je donne. C'est tout ce que je donne. Ça va être le 3 en 2023. Refusé, ok. C'est peut-être le troisième tour qui okay, est un peu trop. Donc, ça comme ça. Hudler, vous comptez, Cougar, German compte. On peut peut-être aller chercher un quatrième choix. Choix de quatrième ronde, est Ce que ça le fait. Refuser. Si on note le choix de quatrième ronde Accepter. Donc parfait. Mmh. Parfait. Là là, je pense qu'on est vraiment. Mais vraiment une équipe dangereuse là. Je sais. On m'a dit de pas vraiment aller chercher de l'air. Ça va être très bon à tout. Tout comme Alice Chuck sinon on met Hartman à la place de quelqu'un. Euh... Nielsen, ok, on va aller voir, dernière chose, on va aller voir à Islanders, New York. Nielsen. Ok, Timachev est ici. Encore une fois, même chose que... Que, 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 que c'était qui... L'autre prospect que je me souviens plus le nom. Euh, on va aller voir à la date limite des à, à la, au draft avant d'aller chercher peut-être Timachev. Nelson. Nielsen, je suis vraiment désolé, je sais plus dans quelle équipe qu il est. va falloir me le dire. Là. Pour Michael Petit, il va falloir me dire dans quelle équipe est Nielsen. Et Alice Chuck, je pense que c'est. Alice Chuck, je pense que c'est Winnipeg. Je suis vraiment pas sûr. Je pense que c'est un goleux. Alice Chuck. Yeah, oh, Abel Ok, donc vraiment à Winnipeg, là, ils ont des bons gardiens de but qu'on pourrait aller chercher parce que. Ils sont pleins de bons gardiens de but. Ça, ça va être à voir plus tard. Donc, on se retrouve pour la simulation. Donc, on va faire les lignes et on va immédiatement aller. Simuler Pour voir si notre équipe peut vraiment stepper. Donc, ils nous mettent Udler Non, non, non. Pour vrai, si je t'allais chercher Udler ce n'est pas pour jouer sur le premier trio. En tout cas, pas pour l'instant. C'est pour jouer avec. Bon, fait que là, c'est quoi Bakely, il veut jouer où Troisième ligne, on va le faire jouer troisième ligne. Kellar, tu descends. Bakely, c'est qui qui est le meilleur pote, le meilleur fait ça. 80 et 76. Donc, Bakely, là. Rykel, Dano. Et il eu de regardez, on a vraiment un top 6 bon. Quatrième ligne, 84 partout, c'est très bon, on peut scorer des goals. Et Shaw, Killorn et Hartman. Voilà, Hartman, il joue. Donc, euh, ça c'est une bonne nouvelle aussi. Combien overalls? Ok, Shaw va jouer au centre. Défensivement c'est Seabrook, Carlson, Poka, Dumba et Roy et TVR. Donc... On va juste aller dans composition, voir si vraiment si on a des joueurs qui n'ont pas d'affaire là. Oui, on a un joueur qui n'a pas d'affaire là. Et c'est Dano. Dano, on va le descendre. On va faire jouer Cove, vous me l'avez conseillé. Modifier les lignes. H.L. Bon, si je fais option, meilleure ligne. Ross. Ok. Markstrom, Cornell, Dano. Hornvist, tu vas juste le premier. Side Rough, tu vas juste le premier. Dano sera vraiment pas content, mais que voulez-vous? On pourrait quasiment l'échanger contre un choix vu qu'il ne jouera plus vraiment. Je pense que oh, c'est ça qu'on va faire en plus. Puisque Dano le... Ross aussi. Dano ne jouera plus tellement facilement. On a vraiment besoin des dif Prospect parce qu'on a juste Ny Nyberg Bon, on a vraiment dif et Gardien de but, c'est ce qu'on a de besoin pour l'instant. Donc. On va aller changer Dano et on va simuler Et On va mettre fin à l'épisode, donc proposer l'échange Où est ce bon vieux Dano, je suis vraiment désolé Dano Philippe Dubois Je, je l'ai pas trop vu là, dans l'équipe là Est-ce que ça se peut qu'il ne joue pas là. je vais aller revoir Donc Dano Les Ducks les... le veut Est-ce qu'ils sont prêts à donner un choix au repêchage Oui, donc le deuxième Ça le ferait en plus Refusé, mais ça, ça n'en prendrait pas tant que ça. Donc, ils veulent un 3. Je peux donner un 3 des Red Wings. Accepté. Donc, Dano est un 3 pour bouger. C'est parfait. Attends. Je suis vraiment désolé, pour Poka arrête pas de perdre le. Arrête pas de perdre du moral parce que Dano a été bougé. Donc, oh et Chell, il est où C'est ça, le... On est allé chercher du bois, puis il joue même pas. Centre. Dubois, tu vas jouer, certain. Puis lui, c'est quoi, Ed Edgar? C'est quoi son potentiel? Non. Bishop, c'est quoi son potentiel? Ok. Soustall, attaque à top 9, donc. Dubois, tu joues. Ça, c'est sûr. Regan, non. Toi, non. Rick, ok, toi, on va te remplacer par... Toi, est-ce que tu as un bon potentiel? Non. Toi, est-ce que tu as un bon potentiel? Attaque à top 9, McMillan, Faire jouer Donc, Black, on n'a plus besoin de toi non plus. Elle gauche, est-ce que l'abri Non, l'abri n'a vraiment pas un bon potentiel. Centre, c'est Soustal qui avait un bon potentiel. Tiens, Mais Dano, je veux que tu joues à la place de McNeil, c'est sûr. À la place même de Shin Carrick. Ah, pourquoi Regan? C'est pas ça que je voulais. Du bois, du bois, du bois. Cornell ou. Du bois, je pense que j'aime mieux du bois, mais on va le laisser sur le deuxième trio pour l'instant, puisqu'il est quand même juste autre attaquant. Donc, ça, ça me va défensivement, il n'y a rien à changer. Malgré que, est-ce qu'il y a peut-être des joueurs qui ne jouent pas, qui mériteraient de jouer pour leur potentiel Non. Périlla, non. Et Carrier, on préfère jouer Carrier. Juste comme ça, juste pour le. Pardon, juste pour le faire jouer. Donc, Moral, on va aller voir ce que les joueurs ont vont dire. McNeil. J'aimerais vous me re vous, me re vous me remercier de m'avoir donné le capitaine Le capitaine waouh De rien. Si vous voulez changer... Si tu veux changer les choses... Ah, okay. Carrier il se pointe, pas trop heureux. Fait un peu chier, mais bon, c'est pas grave. Terre Vinen. Super, si on a trouvé le meilleur équilibre, c'est ce qu'on veut. Un échange amis 5 gars. Bienvenue à bord. Je pense que ça peut aider les deux équipes. Parfait. Donc on est parti. Beaucoup d'échanges quand même, mais c'est pas très grave. Je pense qu'on est pour le mieux là. C'est parti, on va simuler. On n'arrêtera plus là. L'épisode est assez long comme ça, on va simuler jusqu'à temps qu'on arrive à la fin. Donc, simuler. Première période 0-0, deux, euh, deuxième période 0-0 et troisième période 1-0. Boca Et Crawford Qui encore une fois Joue un très bon match Donc On va simuler Jusque Jusqu'ici On n'arrête pas là Fuck la date limite des transactions On n'arrête pas Contre Colorado Qui ont sensiblement la même fiche Oh défaite de 5 à 4 Nashville 4-0 Donc deux jeux blancs En trois matchs Mission de repérage Ça prend des diffs Et ça prend des Garde des buts Donc défenseur 3 euh, semaines les défenseurs. Défaite de 3-2. Victoire de 3-1. Tant qu'on parle pas de matchs de suite, moi je pense que ça peut, ça peut le faire. Donc. Ouch, on parle quand même des grosses. Oh, deux défaites de suite. Là, contre Buffalo, trois défaites de suite. En plus, on a encore de gros le 4-1 contre Dallas, ça c'est bien. Mais honnêtement, dès qu'on fait les séries, tout peut arriver en série. C'est ce que je compte faire. Surtout avec l'acquisition du Dullard qui, qui amène vraiment de la profondeur. Et qui amène un vent de, de, de vétéran, un vent de vieillesse dans le bon sens. Ça va bien, là. Ça fait 4 de suite qu'on gagne. Brassard contre un premier et un troisième. Non, merci, on n'a plus besoin de faire d'échange. Défaite en progression, mission de repérage. On va aller. LAJMQ, défenseur, il y en a quand même beaucoup, donc un mois. Montreal, Canadien, 4-2. Non, je ne veux pas Brassard. Nashville, défaite de 2-0. Winnipeg, victoire de 3-2. Je ne veux pas brassard. Ottawa. Ça va pas se si Ça va pas se si pire. Là. Victoire de 2-1. Washington. Non, on passe ça. On passe la date. 4-3. Philadelphie, victoire. Donc 4 matchs de suite avec une victoire. Ça, ça va très bien. 5 matchs de suite. Ah, ça finit à 5. C'est pas spirit, si c'est pas si pire deux défaites de suite, tu sais j'aime moins ça des défaites de suite, là. ça me fait un peu chier. 40-25-3 notre fiche. 40-26-3, trois 3 défaites de suite. C'est pas grave, c'est pas grave, les Oilers, grosse équipe les Oilers. 42-27-3, Club École qui va très bien aussi. Là. Ça c'est des bonnes nouvelles, victoire contre les Canadiens de Montreal. Donc on s'approche de la fin de l'année contre Toronto, mission de repérage. On a fait la LGMQ, on peut faire les... On peut faire la OHL pour un mois aussi. Toronto. Victoire de 7 à 1. That's it, grosse victoire. Buffalo, défaite de 3 à 2. New Jersey Devils. Là, ça prend une grosse fin de saison. Défaite, victoire. Calgary Flames. Allez à morale des joueurs. Ok, ok, ok. okay. Hartman. Je trouve que mon rendement est plutôt bon. Ouais ouais ouais. Tu peux être très fier de toi-même. Bravo. L'effet positif, j'aime ça. Oi, oh, chill. Cornell. C'est un régal d'être au cœur d'une mécanique. Merci bien. Vous savez qu'il y a déjà très 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 compétent. Cider Rough, l'équipe est visiblement en forme. C'est vrai. C'est vrai. Je suis bien d'accord. Positif. Wow. Vraiment là, ça très bien. Dano, est-ce qu'il a monté du, euh, du bois? 76 overall du bois. 76 overall. Et on nos, nos joueurs montent. Là, nos joueurs montent. Est-ce qu'il y a un 82 chez une On 80. Continue de monter. Là. Ça va très, très bien. Là. Ouais, là, ça va bugger parce que je suis rendu dans le menu des Heist Dogs. qu'on va arrêter la simulation. On va aller NHL. Et on va simuler le dernier match contre les Blues de Saint-Louis. On perd un tir de barrage contre euh, Calgary Saint-Louis 3-1. Si on peut gagner les, nos trois derniers matchs, ça ne serait pas pire. Victoire. Ah, défaite! 47-34. C'est pas la meilleure saison qu'on a connue, mais peut-être que ça va. Parce que quand on connaît des grosses saisons, souvent c'est un petit peu plus difficile dans les séries j'ai l'impression. Donc, simuler. Première période. 1-0. Deuxième période. 3-3. Beekley, Hartman et Kane. Et troisième période. 3-3. Prolongation. Shootout. Ah, on a perdu en shootout. Ce n'est pas la fin du monde. Donc, saison régulière terminée. On continue. On est premier dans la division, là. Et on joue contre les Stars de Dallas. OK. Donc, stats d'équipe. On a fini à 99 points. Euh, notre division était très faible. Donc, on a fini troisième dans l'Ouest. Ce qui est vraiment très bon. Point. 64 points. Vraiment, ce jeu-là, les joueurs, là, ils ont de la misère à scorer des buts, pour vrai, là. Donc, Kane, 64 points, meilleur attaquant. Pour les Blackhawks, Hawks de de Taves, il y a eu de l'or quand même, pas mauvais Mato, Terevainen, très bon, Beakley 85 overall Maintenant il est encore un attaquant de troisième 3ème ligne, ça c'est bon, Killorn, Coyle Ryko 86, Dano 85, Archman, Shaw Donc les attaquants ça a été très bien défensivement Carlson, Doomba qui est maintenant 86, Roy qui est maintenant 83 Poka qui est maintenant 87 Seabrook et TVR Et dans les filets le joueur Corey Crawford Deux jeux blancs seulement Mais bon euh, Ça n'a pas été sa meilleure saison Mais quand même Une saison assez solide là. Donc On va aller voir le tableau des séries On va se laisser Donc C'est sur ce tableau Qu'on se laisse Si vous avez aimé cet épisode Aimez, partagez Et surtout Continuez de m'écrire J'adore vraiment ça Voir vos commentaires Ce que vous pensez Ce que vous voulez Que je fasse du tout Comme là tu sais Vous m'avez dit De ne pas aller chercher de l'argent J'ai décidé par moi-même D'y aller Souvent j'essaie d'y aller Avec ce que vous voulez Mais Continuez d'écrire Je vais Toujours prendre en compte ce que vous me dites. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite bonne continuation. À la prochaine. Ciao, bye.